J'ai pas le temps, mon esprit vise ailleurs. On fait des plans pour s'en sortir, écoute. J'ai pas le temps, mon esprit vise ailleurs. On fait des plans pour s'en sortir, écoute. Non mais sérieusement les gars, non mais soyez sérieux 2 minutes. Je peux pas mettre ça dans la vidéo. Ah bon, bah pourquoi? Non mais vous vous rendez bien compte que ça ressemble pas du tout à la musique original. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on s'entraîne, on a fait du mieux qu'on pouvait, hein. Oui, mais je suis d'accord, il y a des problèmes de copyright sur YouTube en ce moment. Mais de là à pas mettre la vraie musique de Prison Break pour ça, on peut pas là, c'est pas possible. Oui, mais la map elle s'appelle Prison Break, il faut qu'on fasse cette blague. Non, non, on oublie la blague. Jean-Guy, balance la suite parce que là je sens qu'on va partir en n'importe quoi. C'est... Hey les amis, bienvenue dans cet épisode sur la map Prison Break. Nous sommes au pénitencier numéro 18 et je me demande quand même... Où sont passés les 17 autres? Ah bah oui, si c'est le numéro 18, il y en a 17 autres, hein. Mais, je voudrais pas dire, mais on est un petit peu... paumé. Quand j'ai dit paumé, c'est paumé. Non, y'a rien autour, même pas un supermarché, hein. C'est vous dire, hein. C'est génial. Et excusez-moi de l'expression, mais nous sommes en présence d'un pénitencier en carton. Ah oui, pourquoi en carton? Parce que là, t'es dans la zone où ils ont fait les travaux, c'est tout beau, tout propre, y'a un super mur que les prisonniers ne peuvent passer. Ah bah oui, c'est génial, mais tu fais 5 mètres sur le côté. Et ben voilà, le mur est troué. Bravo. Mais c'est quoi ce délire avec les camions? Non mais il vous est arrivé quoi? Qu'est-ce qui vous a pris de mettre une vitre blindée sur tous les camions? Alors le camion militaire, je suis tout à fait d'accord, y'a rien à dire là-dessus. Mais attends, le mec qui transporte des bouts de bois, il a un camion blindé. Et le mec qui fait du ciment aussi, il a un camion blindé. C'est quoi ce délire? Comment on va tuer les gens dans les voitures maintenant? Et puis, arrêtez de ne pas mettre de pédales dans les voitures s'il vous plaît. Non bah, en l'occurrence, là c'est un camion, mais c'est pareil pour les voitures. Comment tu veux démarrer avec ça? C'est pas possible. Gérard, t'as foutu quoi avec le camion, là? La route, elle est large, pourtant. C'est-à-dire, en fait, on a fait une petite soirée avec les copains hier. D'accord. Puis les gars, avec la forêt, va falloir se calmer, hein, parce que je veux dire, à force de couper du bois, y a même plus de forêt, quoi. Et ça, sur des kilomètres. Ah non, bûcheron, c'est un métier très difficile, hein. Et si peut... Et si vous êtes des fidèles du Avez-vous déjà vu, vous saurez que je vous ai déjà présenté la règle des 3 balles. Eh bien, elle se confirme sur Call of Duty Ghost. Tu tires 3 balles pour péter une vitre. Tu connais pas la règle? Et c'est quoi ce délire avec l'intérieur du pénitencier? Bon, je suis d'accord, on sort un petit peu de la map en mode spectateur. Je suis ok. Normalement, t'es pas censé y aller avec ton joueur. Mais je veux dire, ils auraient pu combler un petit peu le vide quand même, parce que là, ça fait vachement aéré, quoi. Y a pas grand-chose dans ce pénitencier, hein. Ah si, il y a un terrain de tu sais pas quoi. Ça vous coûtait quoi de mettre des paniers de basket, un filet de tennis, un filet de volley, je sais pas, n'importe quoi. Mon colonel, je suis en position, je suis à l'extérieur du mur à peu près cassé du pénitencier numéro 18. Vous me recevez, mon colonel? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. N'oubliez pas que votre cible est Zarkanov, un russe un petit peu bourré souvent, mais... Enfin bref, passons les détails. Vous êtes là pour le libérer. Vous avez un tuyau sur votre gauche, allez-y, faites exploser la grille et libérez le prisonnier. Très bien, je vous ai reçu, colonel, j'y vais. Attendez, je vérifie qu'il y a personne, je rentre dans le tuyau. Je suis dans le tuyau, mon colonel. Très bien, mettez-vous en position, prenez la grenade silencieuse, collez-la sur la grille, voilà, et faites tout exploser. Oui, c'est bon, c'est fait, mon colonel. C'est bon, j'y vais, je vais y aller. Hop. Putain! Non mais attendez, c'est quoi ce délire? Vous m'avez foutu une grenade, c'est un pétard mouillé. J'ai pas pu ouvrir toute la grille. Je répète, l'opération est annulée. L'opération est compromise. Je peux pas passer. Putain, mais c'est quoi ce délire? Oh bah si c'est ça, bah je me casse. Mon colonel, c'est pas le prisonnier que je dois libérer, ça? Si, mais je crois qu'il s'en va, là. Ah, le prisonnier s'échappe. Il faut monter en haut des miradors. Mais qui a mis cette putain d'échelle comme ça? J'y peux pas monter. Nous avons retrouvé les chaînes du prisonnier. Apparemment, ils ne sont plus sur ses pieds.
Il faut que je m'enfuis. Déjà l'autre fois que je suis tombé là, ça m'a fait trop mal. Du coup, j'ai du mal à marcher avec ma jambe là. Je crois que la route elle est... Oh non! Rappelle-moi de ne plus prendre la voiture avec toi. Ah ouais, mais ce n'est pas ma faute. La Bren n'avait pas qu'à être là. Tu n'as pas ton permis, toi. Ah non, pourquoi? C'est bien ça le problème. Alors jeune soldat, si tu as aimé la vidéo, tu peux t'abonner ou bien mettre le petit pouce. Le pouce qui change de couleur. Oui, le pouce là. Enfin, si tu as aimé, tu peux la partager aussi et tu peux l'envoyer en Russie. Nous vous dis à bientôt et n'oublie pas de voter sur les maps affichées. À bientôt.